Quand je suis seule dans ma chambre, parfois je fixe le mur. Et dans le fond de mon esprit, y a ma conscience qui murmure, me disant que j'ai besoin d'une fille qui serait douce comme du velours pour la première fois de ma vie. Je vois que j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Allô? Tu rentres tout de suite à la maison, s'il te plaît, c'est grave. Mais papa, je suis en train de faire quelque chose. Nathalie, tu rentres tout de suite. Je fais un petit concert ce soir, tu viens? Je sais pas si je pourrais. Ça lui ferait vraiment plaisir si tu venais, Nathalie. Maman! Tu peux arrêter, s'il te plaît? Nathalie, je comprends pas ce qui se passe là. T'as de la chance qu'elle ait pas porté plainte. Tu lui as tiré les cheveux et tu as menacé de mort. Moi, je t'ai pas éduquée comme ça, Nathalie. Mais elle ment, ça se voit, regarde sa tête. Nathalie, s'il te plaît, parle pas comme ça. Je peux toujours aller à la police. Bah écoute, elle veut bien oublier si tu t'excuses. Si tu t'excuses, j'oublie tout. Mais tu vois pas qu'elle essaye de te manipuler, cette peste? Tout ça, c'est juste parce que j'ai eu le babysitting et pas elle. C'est sa petite vengeance, elle essaie juste de foutre la merde. C'est pas vrai. Ça a toujours été moi qui garde Ariel. T'avais pas le droit de me voler ça. Sans ce job, je suis rien. Je ne suis rien. De toute façon, il t'aime pas, Ariel. Si. Il m'aime. Écoute, s'il te plaît, rentre chez toi. Allez, vas-y. Chut. T'es vraiment une personne horrible. Je me vengerai. Et toi? Ta cuisine, elle pue. C'est bien, Ariel. Franchement, je suis impressionné. Alors, on va arrêter là. Et pour la semaine prochaine, tu essaies de faire avec les nouveaux doigtés, comme on a dit. Et aussi, d'apprendre la première page par cœur. Okay. Allez, viens, Philippe, on va s'installer. Bonjour, Nathalie, comment allez-vous? C'est bien passé? Ah oui, très bien. Mais alors, Ariel, il fait des progrès immenses. C'est... bravo, Ariel. Hein. Sinon, il faudra dire à son père d'arrêter de changer les doigtés, parce que moi, il détruit tout mon travail, quoi. Je lui dirai. Non, en fait, c'est une blague, je rigolais. T'es prêt, Ariel? On s'en va. Okay. Nathalie! J'aimerais vous inviter à boire un verre. Ça fait depuis 2 mois que je vous vois venir prendre Ariel, et à chaque fois que je vous vois, eh ben, je vous trouve encore plus ravissante, et belle, et drôle. C'est trop gentil, mais ce soir, je peux pas. Faites du bruit pour la tigre blanche! Je voudrais profiter de cette occasion pour dire quelque chose. Nathalie, est-ce que tu veux bien monter sur scène, s'il te plaît? Nathalie, allez, on est entre amis ici, fais pas ta timide. Nathalie, elle vient. Qu'est-ce que tu veux me dire, Paul? Nathalie, je suis amoureux de toi. Bonne nuit, Ariel. Demain, j'aurai besoin de toi toute la journée. Parce qu'en ce moment, je suis vachement occupé. Je passe toute la journée. Alors, je suis un petit peu vanné, quoi. Ok? Ça marche. Cool. Bon, bah... bonne soirée, alors. Je voulais te demander un truc. Vu que t'es devenue une femme, je me suis dit que tu devrais peut-être savoir. Je sais pas si je saurais... Écoute. J'ai rencontré une fille qui me plaît beaucoup. Et je sais pas si je lui plais. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ça me flatte beaucoup, Jacques, mais... Quoi? On a quand même beaucoup d'écart. Nathalie, tu crois que je parle de toi? Enfin, t'es un petit peu jeune quand même. Je suis majeure. Ouh, t'es majeure. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit hier soir. Ah, quand même. Est-ce qu'on peut s'embrasser? Attends, c'est pas le moment. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de s'embrasser? T'as mon bookmaker pour parier. Je trouve ça bête que tu joues. C'est un bookmaker spécialiste pour les mineurs. Il fait des cotes de folie. C'est bien que tu sois passionné pour moi. C'est pas la même chose. Embrasse-moi alors. Ah, ok. Mais vite. Attends, c'est lui, sois cool. Je suis cool. Salut Moïse, ça va? T'es qui, toi? Nathalie. C'est ma copine. Pas vraiment, non. Comment ça, pas vraiment? Elle est sûre? Je veux pas d'embrouille, moi. Bien sûr que je suis sûre.
J'en ai rien à faire de vos magouilles de plouc. Oh là, si c'est comme ça, moi je me casse. J'en ai d'autres des clients, et des sympas. Si tu m'amènes une folle en plus... C'est moi que tu traites de folle? Oh. On se calme. Pas de raison de s'énerver, on peut tous rester cool. On passe aux choses sérieuses. C'est moi qui décide quand on passe aux choses sérieuses. On passe aux choses sérieuses. 100 euros sur Liverpool. 100 euros, mais t'es dingue, tu sors d'où? C'est mon argent de poche. Mais t'es fou. Et toi, tu bronches pas? Les jeunes s'ennuient, je leur mets juste un peu de piment dans leur vie d'enfant gâté. Je suis pas un enfant gâté, moi. Hein. Tu dois te la couler douce. Je me débrouille. Bon, je dois y retourner, j'ai pas terminé ma tournée. Ciao. On peut passer aux choses sérieuses? Non, faut que j'aille chercher Ariel, je vais être en retard. Embrasse-moi, s'il te plaît. Non, j'ai plus envie. Putain, t'es chiante, Nathalie. On se revoit aujourd'hui? Je sais pas, je bosse toute la journée. Hé, hey, toi! C'est la première fois qu'on te voit par ici! Ça te dirait d'aller boire un verre? Par connaissance! De quoi vous parlez? On se connaît pas. Oh, tu fais ta pernicieuse, elle fait sa pernicieuse! Sa pernicieuse? Mais n'importe quoi! Tu crois quand t'étais grande, tu pouvais nous traiter de la sorte? Elle verre, on va aller boire dans la fenêtre, toi. C'est vraiment les ploucs dégagés? Quoi? Non, un plouc, je t'éclate quand je veux! Salut Rocky! De quoi tu parles avec ma copine? Maurice! C'est ta copine! Je savais pas, moi, on faisait du chit-chat comme ça à l'américaine! Ah, c'est ça, allez, dégagez là! Ou je vous arrache la tête! Pourquoi t'es devenu bookmaker? Pour l'argent. C'est pas une motivation, l'argent. Si, pourquoi tu fais publiciteuse, toi? Bah, c'est différent, moi j'ai un objectif, je veux faire le tour du monde. Tu te fais beaucoup d'argent? Ouais. Tu veux bien m'expliquer ta combine? Je t'explique. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs, mais les enfants adorent l'argent. Du coup, j'ai décidé de devenir bookmaker. Y a rien de mieux. Y a rien de plus excitant. Et en plus, les gamins sont accros au jeu. Ils plaquent tout leur pognon là-dedans. Ah putain! Salut Lino. Comment ça va? Salut Moïse, je te présente mon grand frère, Ennio. Il est intéressé pour placer un pari. C'est bon, Lino. Tu peux nous laisser. Non, je reste. Dégage. On a entendu dire que tu faisais des cotes intéressantes. Ça dépend. On a aussi entendu dire que t'aimais le risque. Tu prends gros parfois? Dis toujours. On aimerait jouer sur le Red Star Paris FC. À combien sont les cotes pour les moins de 18? Ah, Paris FC est méga favori. Je le fais à 1-10, le match nul à 3 et Red Star à 7. On va jouer 10 000. Ok. Donc si vous gagnez, je vous dois 10 000 fois 1-10, soit 11 000. Non. On joue Red Star. Si on gagne, tu me dois 70 000. 70 000. Alors? T'acceptes? Que ce soit clair, ok? Si vous doutez de moi, vous ne jouez pas. J'ai ma réputation, mon business, je suis professionnel. C'est compris? Alors rendez-vous demain 15h au stade, avec l'argent. Il est quelle heure, Moïse? J'ai complètement oublié Ariel, faut que j'aille le chercher. Excusez-moi, vous cherchez quelque chose? Le cours de karaté, je viens chercher un enfant. C'est fini, tes enfants sont partis. Et Ariel, il est parti? Ariel? Oui, c'est une jeune femme qui l'a pris. C'est un biciteuse, je crois. On peut y aller maintenant. Non, tais-toi, on partira quand j'aurai décidé. Nathalie! Ah, mais je folle! Espèce de garce. Tu te rends pas compte de l'envergure des conséquences que ton acte va causer. C'est bon, Nathalie, je rigolais. Nathalie, je rigolais. Faut que je ramène Ariel. Attends. On peut se revoir? Je sais pas. Accompagne-moi au stade demain. Ok? Il est gonflé ce type-là.
quelque chose qui va pas? Je sais pas, je me sens bizarre. Bah, je t'écoute. J'ai l'impression que je vais rester seule toute ma vie. Tu veux faire une tartine? Si t'acceptes le pari, tu me serres la main. Vous avez de la chance. C'est exceptionnel que j'accepte un pari comme ça. C'est pas du tout conforme à mes règles. Mais un pari de 10 000 euros, ça se refuse pas. Ça s'accepte. Ça commence. C'est truqué! Reste pro, mec. T'emballe pas. Et un pari, c'est un pari. T'as décidé de jouer? On va jusqu'au bout, maintenant. Vous êtes foutu de ma gueule, et alors bien! De toute façon, j'ai pas les thunes! T'en reste que dalle! T'en auras que dalle! Mais ta gueule, toi! Qu'est-ce qu'il y a là? Nathalie, s'il te plaît. Nathalie, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait mal. Mais purée, Moïse, où est-ce que t'as pas mal, alors? Là. Là, ça va. Ça va. Classique.